que je vous propose, c'est une version arrangée par mes soins qui s'inspire de celle de Chet Atkins. Mais ce n'est ni la version de Scott Joplin, ni la version exacte de Chet Atkins. Il y a des petites nuances. La sixième corde, et seulement la sixième corde, doit être désaccordée d'un ton complet. Et vous allez avoir la note Ré. Qui dit Ré dit qu'au début, je fais les cordes à vide. Et ça va me donner comme ceci un Ré en power chord, c'est-à-dire un Ré, un accord de quinte. On va avoir simplement Ré, La et Ré. On n'aura pas le Fa dièse. La tierce majeure, si vous la voulez, vous allez former un Ré normal. Et là, on se retrouve dans la tonalité de Ré, c'est-à-dire qu'on a, à partir de là, toutes les notes de la gamme de Ré majeur. Et c'est ça qui est joué, en fait, dans ce morceau. Donc, tout va fonctionner comme ceci, et c'est la gamme de Ré majeur qui est jouée contre sa tierce. Voilà, ça devient compliqué. En fait, c'est joué en dyade. Ça veut dire qu'on a le Ré ici et le Fa dièse descendu. Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, le même motif, septième case, Si, Do dièse, encore une forme droite et on se retrouve à l'octave comme ceci. Donc ça fait Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, Ré. Et c'est très sympa à faire. Voilà un petit peu comment ça fonctionne ce thème. Alors le thème, on va l'apprendre ensemble. Donc vous allez faire 4, 2, Do dièse, Mi. Ensuite vous amenez deuxième case. Et ensuite on a à vide 4, 0, le Fa dièse donc. À l'accroche et c'est pas swingé. Attention, je change de corde puisqu'on a une basse alternée. Donc là, c'est le Ré, la note Ré contre sa basse là. Je reprends la quatrième case et là, je joue mon accord de Sol. La première fois que j'ai joué ça, déjà ça fonctionnait pas, il a fallu que je réarrange les basses alternées. Et surtout, je ne reconnaissais absolument pas le thème, ça sonnait vraiment pas. Il faut que ça soit joué à une certaine vitesse et enchaîné immédiatement avec la cinquième case. Alors heureusement, là, je vous propose un petit répit parce que cinquième case et à vide, c'est très réalisable. Et ensuite, donc on a ces fameuses notes de la gamme de Ré majeur qui sont amenées avec cette note passante. Deuxième case, encore à vide, le Sol, Mi, et ça résout vraiment de manière magnifique, on ne peut pas faire plus mélodique. J'espère que le peu que je vous ai montré va déjà vous mettre le pied à l'étrier avec ce morceau. Il faut beaucoup de patience pour arriver à le jouer. Moi-même, j'en suis venu à bout en créant mon propre arrangement, ce qui a simplifié beaucoup de choses. Maintenant, je pense qu'on retrouve un petit peu l'esprit de l'original de Scott Joplin. Si vous souhaitez l'apprendre en entier, eh bien, vous allez suivre le lien dans la description de cette vidéo, puisque là, j'ai fait un tutoriel qui est accessible dans la section membres de la Roux Guitar School. Si vous êtes intéressé d'apprendre le jeu au doigt, le Travis Picking, ces fameuses basses alternées avec ces accords très très colorés, eh bien, j'ai une très bonne nouvelle, je viens juste de sortir une nouvelle formation, la formation Travis Picking et Fingerstyle. Vous allez apprendre à maîtriser cette manière de jouer qui est absolument magnifique puisque ça vous permet en fait de faire sonner votre guitare comme un petit orchestre. Quand vous jouez seul de la guitare chez vous, eh bien peut-être qu'au bout d'un moment vous en avez marre de jouer des solos ou des bouts de riff. Là, ce que je vous propose, c'est des morceaux vraiment orchestrés. Et donc, c'est joué au doigt. Et souvent, c'est joué avec l'onglet de pouce. Et rassurez-vous, eh bien, l'onglet de pouce, ce n'est pas si difficile que ça à utiliser. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir vous aussi le dompter, cet onglet du pouce, à le domestiquer pour en tirer le meilleur. Dans cette formation, eh bien, je vous ai créé des petites études qui sont inspirées par des guitaristes très connus, les grands maîtres du picking, mais qui sont réajustées pour que ça soit pile par rapport au niveau
de la leçon, donc votre niveau. Vous suivez le lien et vous avez un code promo, bien entendu, comme ça vous l'aurez au meilleur prix, cette formation, et moi je vous retrouverai de l'autre côté de la plateforme pour vous guider. Si vous avez des questions, je vous répondrai.